Vous êtes à l'intérieur du pays. Dites-nous pourquoi ce déplacement, bien ces déplacements. Non, d'abord, c'est le lendemain d'élection. Et donc, après les élections, il faut faire le bilan, une évaluation. Et nous avons pensé qu'il fallait faire ça préfecture par préfecture. Ce que nous appelons, nous avons des fois plusieurs fédérations dans une préfecture. Donc nous avons commencé par la préfecture du Golfe et la commune de Lomé, ensemble. Ensuite la région maritime, ensuite la région des plateaux. Et maintenant, nous sommes... Hier, j'étais à Sokoré. Nous avons réuni les préfectures environnantes pour procéder à cette évaluation. Et c'était une réunion pour nous très intéressante qui a duré 4 heures où nous avons demandé à chaque fédération de présenter son bilan. Et comme ça, nous avons pu identifier quels sont les problèmes que nous avons, quels sont nos points forts, etc. Et il nous reste maintenant la région des savanes. Voilà, c'est juste pour procéder à une évaluation afin de tirer toutes les leçons des dernières élections. Alors aujourd'hui, dites-nous comment va le CSK. Mais le CSK va bien. Vous savez, après des élections, il y a toujours des déceptions, des frustrations. Et le CSK est traversé par tous les partis membres du CSK. Qui ont connu des fortunes diverses sont traversés par les mêmes frustrations, les mêmes déceptions. Mais fondamentalement, il n'y a rien de grave au CST. Alors bientôt les locales, est-ce que les partis du CST sont-ils prêts? Moi je souhaite que tout le monde soit prêt. Nous nous apprêtons. C'est après avoir tiré les leçons de ces élections-là que nous allons mettre en place les structures qui vont gérer les prochaines élections. Donc, je ne peux pas répondre à la place des autres, mais je peux dire que nous nous apprêtons. Aujourd'hui, certains membres de l'UFC, votre ancien parti, vous font des clins d'œil. Est-ce que vous allez les recevoir à bras ouverts? Mais ceux qui veulent travailler avec nous seront toujours les bienvenus. Nous n'allons jeter personne à la rivière. Nous allons écouter chacun. Nous verrons comment travailler. Merci beaucoup, Président.